Bonsoir à tous, euh, je vais me présenter, Benoît de Guilbon, je vais animer ce, euh, cet échange avec Jean-Pierre Goum. Euh, merci à tous d'être venus. Bon, ça va être un peu tard en fin de journée, mais on, on, a, on va avoir un, un bon moment. Euh, nous avons un, une, une soirée en deux temps, même trois temps. Euh, un premier temps, ben, Jean-Pierre euh, a écrit deux romans. C'est un scientifique qui écrit des romans, donc il va nous expliquer un peu comment il est arrivé à cette, à cette idée. Euh, ensuite, il va nous présenter Blue Turn, la Terre vue du ciel. Et puis, ben, on essaiera, qu'on a, qu a quelques minutes à la fin, ben, d'échanger. On remettra de la lumière, parce que là, on ne vous voit pas beaucoup. Euh, et euh, on remettra de la lumière pour euh, échanger un peu là-dessus. Donc, premier, euh, premier élément, ben, d'abord, Jean-Pierre, il va se présenter, parce que c'est un... Mathématicien d'abord, euh, ensuite un chef d'entreprise et ensuite un romancier. Oui, oui le, moi j'avais toujours voulu avoir plusieurs vies, donc je me suis dit que autant toutes les vivre dans la même. Euh, ouais, la première partie de ma vie, moi j'ai toujours eu une passion pour les mathématiques et euh, qui a été ma première, on va dire, euh, expérience de l'harmonie et euh, de la beauté, parce qu'il y a de la beauté dans le monde mathématique et j'ai aimé appliquer les mathématiques pour comprendre le monde d'aujourd'hui donc je me suis toujours tourné vers les enfin au départ vers les maths pures mais après vers des mathématiques appliquées euh, essentiellement à l'analyse des systèmes énergétiques et des systèmes euh, écologiques pour les modéliser, les simuler, les optimiser et aider les gens à prendre les bonnes décisions et pendant longtemps j'ai cru que les, les décisions issues des maths il suffisait après de les appliquer et puis qu'on changerait le monde comme ça après je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait simple j'ai fait de la recherche pendant 4 ans aux États-Unis et euh, quand je suis rentré en France au début des années 2000, j'avais envie de créer une entreprise pour appliquer ça auprès de dirigeants que je conseillais et de leur de essayer de les convaincre que euh, voilà, les, ces bonnes décisions qu'il fallait prendre, bah, il fallait les prendre. Donc euh, j'ai monté euh, une société là quand je suis rentré des États-Unis. Et en fait, ça n'a pas suffi à changer ces dirigeants. Et en travaillant dans beaucoup de domaines en particulier travailler dans le domaine de l'énergie, et j'ai rejoint une société dans le domaine de l'énergie que je dirige maintenant, et qui a... Voilà, on est 200 à Paris, moi j'en dirige directement une cinquantaine, et on gère les marchés de l'énergie en Europe. Donc ça, c'est mon activité la journée, et la nuit, j'ai toujours été, on va dire, très intéressé par comprendre comment le monde fonctionne un peu dans toutes ses dimensions, donc j'ai toujours beaucoup lu, et j'ai toujours été, depuis longtemps, anxieux sur on va dire la planète, le sort de la planète et euh, le fait qu'on puisse continuer à vivre sur cette planète et euh, chercher un peu la, on va dire la solution euh, à tous ces problèmes-là. Donc j'ai essayé de lire un peu en économie, en science, en politique, géopolitique, euh, euh, spiritualité, euh, développement personnel, un peu tous les éléments qui pourraient amener des solutions, toujours en regardant les choses qui n'ont pas forcément été tentées à l'échelle, en disant quelle pourrait être la solution. Et assez vite, je me suis rendu compte que je commence à avoir des bribes de solutions, mais pour les mettre ensemble dans un essai, ça ressemblait pas un essai que les gens auraient eu envie de lire, parce que ça aurait parlé de musique, ça aurait parlé de, 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 de toutes les choses que je vous ai dites, géopolitique, de géopolitique, de, d'engagement, de passion. Et pour ça, pour moi, euh, c'était assez logique que la solution de, de cette équation, c'était un roman. Donc euh, j'ai commencé à écrire ce roman au début des années 2000, ça qui m'a amené à l'écriture, un roman pour simuler le réel et puis essayer de me persuader qu'on pouvait changer le monde. Donc c'est ça que je raconte dans ce roman. Et euh, un, voilà. un roman qui a mis 11 ans. Oui, donc euh, j'ai dû commencer voilà, euh, à la fin des années 90 à commencer à écrire. Et puis j'ai publié ça, il y a le premier tome il y a 7-8 ans, le deuxième il y a 5 ans. Et là, ils sont ressortis la semaine dernière dans une édition augmentée parce que peut-être que quand ils sont sortis il y a 5 ans, les choses n'allaient pas assez mal. Enfin, les gens ont beaucoup aimé ces livres. Mais aujourd'hui, il y a une actualité brûlante sur l'écologie et d'un point de vue géopolitique qui fait que ce qui est dit dans ce roman... Et beaucoup plus d'actualité résonne beaucoup plus avec l'énergie du moment. Donc voilà, on espère que. Alors, ouais. juste pour nous raconter un petit peu, mais très rapidement, pour faire un teaser, parce qu'effectivement tout le monde va, va se précipiter sur ces, ces nouveaux romans. Euh, Qu'est-ce que ça raconte En fait, le, le, ce que je m'étais dit, c'est que quand vous êtes dans une société comme maintenant, euh, où tous les ingrédients sont présents pour avoir un effondrement massif, que euh, ben quand vous avez cette tension-là, tout est présent aussi pour avoir un éveillement massif. Quoi. Et euh, puisqu'on le voit bien, à chaque fois que vous créez une énergie, vous créez une contre-énergie. Et toutes les choses négatives qu'on vit, que ce soit Trump, Bolsonaro, etc., ça réveille les consciences. C'est-à-dire que quand on appuie très fort, il y a des nouvelles idées et des choses qui émergent. Et donc, on a autant aujourd'hui un terreau pour un effondrement qu'un terreau pour un événement massif. Et je m'étais dit, s'il se passe une succession de choses extraordinaires, on peut, en 28 jours, changer l'état d'esprit, changer les consciences et changer le monde. Donc, le, il y a deux tomes. Le premier tome, c'est les 14 premiers jours. Le deuxième tome, c'est les 14 seconds jours. C'est contemporain. Ce n'est pas un roman de science-fiction, c'est un roman d'imagination, mais qui se base vraiment sur toutes les données économiques et, et euh, le contexte actuel. Et, euh, et en 28 jours, j'explique comment changer le monde. Et pour changer le monde, euh, il y a deux énergies en fait, dans ce roman qui sont représentées par deux personnages. Un qui s'appelle Abel, qui est un éco-activiste, qui, devant euh, l'ampleur des catastrophes écologiques et des misères faites à la planète décident de créer une organisation clandestine qui s'appelle Gaia et elle est clandestine parce qu'il se dit que les gens contre qui on combat utilisent l'illégalité sous couvert de, de bienséances économiques pour changer le monde et eux disent bah, on va les combattre avec leurs armes donc ils créent une société écoactiviste activiste qui veut changer le monde et ils commencent à ennuyer les états, les multinationales, les marchés, les, les, les mafias et euh, dans l'autre personnage, c'est un astronaute, on parlera enfin, de ses visions des astronautes un peu plus tard, qui est le meilleur ami de cette Abel qui s'appelle Paul Gardner et qui fait partie en fait de la première mission américaine qui retourne sur la Lune. Trump a dit qu'ils allaient retourner sur la Lune. Et quand j'avais commencé à écrire ce roman, Bush avait dit qu'ils allaient retourner sur la Lune. Donc bon, on a décalé d'une dizaine d'années, mais donc c'est toujours. voilà. Et euh, cet astronaute, en fait, il y a un problème sur la Lune. Il euh, bon, y a une tension géopolitique pour mettre la main sur certaines ressources minières entre la Chine et les États-Unis. Et les États-Unis ont besoin de cacher un crime. Et ils ont besoin d'un bouc émissaire. Et au lieu de choisir un pays ou une organisation euh, terroriste, ils accusent Gaïa d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Sauf que Gaïa, euh, le leader, est quelqu'un de extrêmement déterminé. Donc non seulement c'est pas un crime qu'il a commis, mais il va aller chercher la vérité qu'il y a dans ce complot d'État. Et donc dans ces 28 jours, c'est euh, l'histoire en fait de cette quête de la vérité et de ce basculement entre Gaïa qui est accusé et détesté et Gaïa à la fin qui est euh, adoré parce que c'est la victoire. Et donc, euh, on essaye d'emmener le lecteur comme ça dans cette croissance de la vérité. Et plus il y a de vérités qui sont trouvées, plus il y a de surenchères de mensonges par les gouvernements, par tous les gens qui ont intérêt à ce que le système ne change pas. Il y, y a quelques idées qui sont ou actuelles ou qui sont même... Très ancienne, il y a la notion de la lutte pour les ressources. Alors les ressources, c'est plus les ressources minières euh, habituelles, l'uranium et autres. Là, c'est l'hélium 3. Oui. Alors, euh, le, le, comme j'avais besoin d'une intrigue dont une composante était sur la Lune, j'ai longtemps cherché qu'est-ce qui pourrait y avoir de géopolitiquement intéressant sur la Lune. Et un jour, je suis tombé sur un livre qui avait été écrit par Harrison schmidt qui était un des astronautes de Apollo 17, qui était un géologue, c'était le seul scientifique à vraiment être allé sur la Lune. Et euh, quand ils avaient ramené les échantillons sur la Lune, de la Lune, ils se sont aperçus que dans le régolithe lunaire, donc dans la poussière de lunaire, il y avait un isotope de l'hélium qu'on appelle l'hélium 3. Et c'est un isotope qu'on trouve pas sur Terre parce que cet isotope, en fait, il est produit par le Soleil par les voilà, par les, les, les rayons qui sont émis par le Soleil. Et quand ils arrivent proche de la Terre, il y a une magnétosphère qui, est en, qui entoure la Terre, qui repousse en fait ces rayons, heureusement, parce que ce serait très nocif pour nous. Mais par contre, la Lune, elle est à l'extérieur de la magnétosphère terrestre, elle n'a pas de, de noyau métallique. Donc, il y a de l'hélium-3 qui se dépose à la, à la surface de la Lune. Et cet hélium-3, il pourrait être très intéressant pour être un fuel pour les futures centrales non pas à fission comme on a aujourd'hui mais à fusion un peu comme ITER c'est une autre technologie qu'ITER, et euh, Harrison Schmidt développait toute une théorie sur le fait qu'on pouvait construire en fait une chaîne logistique minière entre la Terre et la Lune pour exploiter l'hélium 3 et créer une énergie, une énergie de fusion et, et en creusant ça, je me suis aperçu que les États-Unis et la Chine, c'était une de leurs principales motivations pour retourner sur la Lune. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une mission qui part en décembre des Chinois elle va aller mapper des champs d'Hélium-3. La plupart des instruments qui sont envoyés sur la Lune, ils mappent ces champs. Et donc, ça pourrait être un prochain lieu de bataille géopolitique comme il y a eu sur toutes les, sur toutes les autres. Donc comme chercher à créer un thriller, euh, j'avais besoin de cette dimension-là, donc c'est la toile de fond géopolitique. C'est les nouvelles terres rares. Le voilà, pays. les nouvelles terres rares, si on veut. Ouais. Alors, alors il y a un autre, autre élément qui est intéressant et qui, qui correspond vraiment à la réalité, c'est la société civile qui bouge. C'est Gaïa. La Gaïa, c'est finalement c'est vous et moi, c'est des... Qui, qui bougent, qui s'organisent et qui finissent par euh, renverser le système. Exactement. Donc en fait, Gaïa, au départ, bon, c'est une organisation écoactiviste qui fait rire les gens et puis qui euh, donne de l'énergie à tous ceux qui se battent, tous les lanceurs d'alerte, parce qu'ils réussissent à, à bouger les lignes. Donc on va dire, ils font résonner une partie de la population. Et euh, au fur et à mesure du... Roman, il y a des pro-Gaïa et des anti-Gaïa, un peu comme il y avait des pro-Dreyfusards et des anti et, euh, le, 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 et les, les discussions dans les repas, c'est est-ce que tu penses que Gaïa est coupable Est-ce que tu penses que le gouvernement américain a menti Il y en a des gens qui disent, mais non, bien sûr que Gaïa est coupable, d'autres pas du tout. Et au fur et à mesure que les indices sont trouvés, ben, il y a ce basculement. Et la société civile vibre avec ça et se positionne. Et le fait d'être pro-Gaïa ou anti-Gaïa, ça veut dire aussi accepter. Il y a un, un manifeste d'ailleurs que j'ai écrit. J'avais pas mis dans la première édition que j'ai mis dans la nouvelle qui est extrêmement engagée. Quand on se, pro on se prononce pro-Gaïa, implicitement on valide leur manifeste qui est un manifeste pour le vivant, qui est un manifeste pour je dirais, une révolution des consciences, un manifeste pour un changement de la société profond. Et petit à petit, euh, cette énergie du pro-Gaïa versus Gaïa fait fédérer toutes ces énergies de la société civile et de la société engagée, et puis après des gens qui n'étaient pas engagés, ça grossit ses rangs, et c'est l'histoire de cette révolution planétaire qui part justement au départ des changemakers et des gens qui croient voilà au principe de la vie. quoi Donc, Et puis dans ce roman, il y, a un peu, il y a un peu tous les éléments, puis il y a l'élément de la finance, la mafia, la finance, les, les finances occultes. Oui, alors le, 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 le héros en fait est euh, d'origine mexicaine et son père a été euh, assassiné quand il était petit par... Euh, C'était un juge par des mafias mexicaines. Et donc depuis petit il a une forte volonté de revanche contre ces mafias. Et euh, d'ailleurs c'est comme ça qu'il se finance, il vole un casino. Euh, Online qui appartient à la MSA, et c'est comme ça qu'il finance son organisation écoactiviste. activiste Pas une sorte de Robin des Bois qui vole de l'argent aux méchants pour faire du bien avec les gentils. Et ce cet éco-activiste, voilà, et quand au cours de voilà de ces presque 1000 pages des deux livres, il va se heurter à un certain nombre de problèmes, le Pentagone, la NSA, enfin, ça avait été écrit avant Snowden. Hein. La plupart des gens me disaient Mais quand tu parles de la NSA, tu parles de la NASA. Vous voyez, j'ai un t-shirt NASA. Non, là je parle de la NSA. Et à l'époque, il y avait très peu de choses qui existaient sur la NSA. Mais moi j'avais des amis qui travaillaient là-dedans et qui m'expliquaient déjà que... La NSA espionnait les Américains et pas que les pays étrangers. Donc il se heurte à tout et il se heurte aux mafias et il découvre l'envers du système économique, donc l'économie souterraine et moi ça c'est quelque chose qu'on connaît très bien par mon métier. Et donc j'avais envie de faire découvrir aussi tout cet envers du, euh, de, de, du système avec toute la finance offshore, toutes les banques occultes et donc c'est une grosse partie du tome 2 sur tout ça et sur ces énergies qui corrompent tout et qui empêchent la démocratie et les sociétés de fonctionner. Donc ça c'est vous avez les briques et avec ça il y a un roman un roman passionnant. Ce qui est, ce qui est intéressant aussi, si on reprend un peu un peu de recul, mais on, après on va reprendre encore plus de recul, mais ce qui est intéressant c'est l'idée de dire effectivement euh, un industriel, un scientifique qui se dit ben, pour parler aux gens, il ne faut pas que je fasse un livre scientifique, il faut pas, que, il faut que j'amène un nouveau récit et c'est quelque chose de de très fort, on a aujourd'hui. On manque un peu de récit. On a, on a du mal à, à imaginer quelque chose. Euh, il y avait une petite, il y avait un atelier tout à l'heure sur la science-fiction qui raconte les choses. Euh, et c'est intéressant d'avoir un récit. Euh, et je pense que c'était, c'était oui. un élément important. Oui, pour moi, c'était un élément important parce que justement, moi, je suis pas un gros lecteur de science-fiction euh, parce que je trouve qu'il y a tellement d'urgence à réfléchir à la société de maintenant. Avec des humains, que j'ai du mal à le transposer dans une autre planète, même si tous les romans de science-fiction s'interrogent in fine sur la condition humaine. Mais je voulais vraiment quelque chose qui résonne, et j'ai lu beaucoup de livres utopiques, mais malheureusement, comme ils ne s'appliquent pas chez nous, c'était au choix du lecteur de voir comment il pourrait se transposer. Et le, le but, moi, quand j'ai écrit ce bouquin, c'était déjà de m'auto-convaincre qu'une transition est possible. Et un roman, c'est un simulateur du réel. Donc, euh, dire que quelque, ce qui fait que ça marche avec un lecteur, c'est qu'un roman doit être vraisemblant. Si ce n'est pas vraisemblable, vous dites non, mais là, j'y crois pas une seconde, son truc, ça ne peut pas du tout marcher. Et donc, pour moi, j'ai testé ce livre avant de le publier auprès de, de dizaines et de dizaines de relecteurs. Bon, pour vérifier si toutes les informations étaient bonnes, mais surtout pour vérifier si la mécanique de la vraisemblance fonctionnait. Et un roman peut être un simulateur de réalité et aussi un simulateur d'émotion. C'est-à-dire qu'un un essai peut être un simulateur de la réalité. Vous pouvez expliquer s'il se passe ça, il va se produire ça, etc. Mais vous n'allez pas être embarqué dedans, vous n'allez pas le visualiser. Et on fait toujours appel, on va dire, à votre cerveau rationnel. Et si on veut changer les gens, euh, c'est bien de raconter une histoire avec des émotions parce que ça touche plus. Et, euh, donc, euh, et moi, les choses qui m'ont le plus transporté, j'ai des essais qui m'ont marqué. Et moi, les choses qui m'ont le plus marqué, c'est des romans que j'ai lus jusqu'à 4 heures du matin, impossible d'arrêter. Et je ne savais plus où j'étais. J'étais complètement perdu. Je faisais des rêves de mes héros, etc. Donc le, le, je me suis dit, voilà, moi, moi, ce que je souhaiterais, c'est de, de, de raconter cette transition écologique en 28 jours et d'embarquer les gens avec des émotions. Euh, de rire, de pleurs, de choses extrêmement dures, de choses extrêmement belles, de l'émerveillement. Et en fait, avec un roman, vous pouvez tout faire. Quoi. Je veux dire, et puis, c'est le, le truc le plus low-cost du monde. J'ai juste besoin de temps et d'un ordinateur. Et avec ça, vous pouvez écrire l'histoire que vous voulez. Il n'y a aucune limite de budget. Vous avez à vous mettre d'accord avec personne à part vous-même. C'est très agréable le roman à écrire. Quoi. Donc, voilà. Alors ça, c'est le, le roman. Et, mais derrière ce roman, il y a une clé de voûte. Il euh, y a l'overview effect. Alors là, Jean-Pierre va nous ah expliquer ce que c'est que l'overview effect, et puis ouais. ça va nous amener petit à petit oui. à, à blouter. Alors, le, 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 quand je vous disais que j'essayais de, de, de recenser un peu les, les solutions que je voyais autour de moi et qui pourraient être passées à l'échelle, j'étais tombé par hasard sur un livre qu'un un ami, Michael Bocara, qui était un de mes. Un de mes Amis d'école d'ingénieur, lui travaillait à l'aérospatiale à l'époque, il m'avait offert un bouquin de la Terre, euh, de photos de la Terre prises depuis l'espace. Et En fait, ce livre qui s'appelle Claire de Terre, quand il me l'a offert, moi bon, je trouvais ça très beau, des très belles photos d'orbite de la Terre, mais j'ai tout de suite bloqué, non pas sur les photos, mais sur les citations. Et sur les citations, il y avait des choses absolument admirables où les gens disaient, par exemple, le premier jour, nous voyons notre pays, le deuxième jour, nous voyons euh, les continents, à partir du troisième jour, nous ne voyons plus que la seule Terre. Il y a d'autres choses où ils disait, nous sommes partis pour découvrir la Lune, nous avons découvert la Terre. Des choses très puissantes. Et que des citations ultra-poétiques, je me dis, bah, tiens, je vais les noter, puis finalement, je me dis, je ne vais pas noter, je vais recopier tout le livre. là. Donc Et, et en s'interrogeant là-dessus, c'était une notion poétique où il disait des choses que j'avais jamais lues nulle part, puisque puisqu'il parlait... De compréhension d'un monde fini, parler de euh, nous sommes un, euh, nous sommes interconnectés, la Terre est belle, elle est perdue dans le cosmos. Là, vous voyez cette photo où vous voyez la Terre qui est perdue dans le cosmos. Eux, ils ont vu ça. Et en fait, ils ont euh, découvert quelque chose auquel nous, on n'a pas eu l'expérience, c'est-à-dire voir la Terre depuis l'extérieur. Ça nous amène à réaliser euh, ce qu'est notre maison commune. Et. Euh, de ça une photo, vous pouvez la voir vous aussi, mais eux ils ont eu quelque chose de très spécial, c'est qu'en la voyant tourner devant leurs yeux, l'exposition grand large de la Terre, combinée avec la peur, combinée avec le, le silence, combinée avec l'état d'apesanteur, en fait, ça leur a créé une expérience extatique qui a changé leur vie. Donc, et cet effet a été étudié par un chercheur d'Harvard qui s'appelle Frank Wright. Et Frank, qui est devenu enfin, un ami depuis, a inventé ce mot overview effect, qui veut dire, on va dire, effet de surplomb ou effet grand large. Et cet overview effect, c'est cette transformation qu'ont eu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Et en fait, bon, pour ceux qui étaient à la conférence tout à l'heure, mais j'en ai juste parlé deux minutes, euh, le, le, les, les astronautes sont tombés amoureux de la Terre. Et en tombant amoureux de la Terre, moi je dis toujours, la Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée. Et à partir du moment où vous aimez la Terre par quelque chose de très profond, tout le reste en découle. Quoi. Et je m'étais dit, bah, tiens, ça. Comment faire vivre cette expérience à tout le monde. Euh, et je vous expliquerai l'histoire de Blue Turn et de ce satellite, mais comme il n'y avait aucun satellite qui permettait d'avoir ces images, en fait, j'ai écrit ces romans avec pour, on va dire, ambition de faire tomber le lecteur amoureux de la Terre juste par les mots, puisqu'il n'y a pas d'image dans ce livre. Et euh, voilà. Puis après, il y a eu un projet qui en a suivi, euh, où, on va dire, la fiction a inspiré la réalité, ou inversement, je ne sais plus très bien où j'en suis entre la réalité et la fiction. Mais il le, 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 y avait cette intuition que cet overview effect pourrait changer les consciences en nous reconnectant à quelque chose de plus large et en nous faisant l'expérience de cette euh, voilà de, de, de cette appartenance à cette boule magique sur laquelle nous vivons. C'est peut-être le moment de parler de Blue Turn maintenant. Oui, de de oui. parler l'expérience Blouetern. je crois qu'on va on va visualiser quelque chose, non pas encore. Pas tout de suite. Je pas vais suite. vous raconter un peu l'histoire de, de ce projet. Alors, si on peut mettre Premier transparent. Alors, donc ça c'est une statue de Socrate. Alors euh, Socrate n'a laissé aucun écrit, mais euh, il a laissé beaucoup de dialogues avec Platon. Donc vous le trouvez dans les dialogues de Platon. Et si vous lisez Phédon, il euh, y a un passage, alors j'ai pas avec moi, mais qui est dans les livres, euh, dans lequel Socrate décrit à quoi ressemblerait la Terre si on la voyait depuis l'espace. Et il décrit vraiment. Exactement ce que vous avez vu dans la photo précédente, c'est-à-dire une boule multicolore avec du froid du... et une palette de couleurs que même les peintres n'auraient pas. Donc il fait une description où on dirait qu'il a vu cette image. Et euh, en plus il dit, le jour où on aura accès à cette image, euh, le monde changera. Et euh, on aura l'impression de, de comprendre des choses auxquelles on n'a pas accès, et les, les astronautes, c'est un peu comme ce qui décrit Platon dans le mythe de la caverne. C'est des gens qui ont accédé à une connaissance qu'ils ont du mal à partager. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'astronautes se sentent pas bien, ou parce qu'ils ont du mal à partager cette émotion qu'ils ont autour d'eux, et on les interroge jamais là-dessus. Donc euh, le, le, Socrate était le premier à avoir eu l'intuition de ce que ces choses-là pourraient changer. Sauf que pour pouvoir avoir accès à ces images, il a fallu 25 ans de développement, on va dire, humain et technologique, pour accéder à cette photo. Euh, donc cette photo, la suivante, s'il vous plaît. Euh, ah, je vais prendre la télécommande, pardon. Donc cette photo, elle s'appelle Blue Marble. Elle a été prise le 7 décembre 1972 par les astronautes d'Apollo 17, et c'était la première fois où on avait une photo de la Terre tout éclairée. Avant, on en avait eu quelques-unes, mais il y avait toujours un coin qui était dans le noir ou la moitié qui était dans le noir. Et là, c'est la première fois qu'on voyait ça. Et cette photo a fait le tour du monde. Comme c'était la seule photo de la Terre dont on disposait avec Apollo 17, c'était la dernière mission. En fait, c'était la première et la dernière photo de la Terre jusque, jusqu'à il y a trois ans. Et euh, cette photo, en fait, elle a changé le monde, puisque euh, à ce moment-là, en 1972, c'était le moment où le rapport du Club de Rome sortait, où on commençait à avoir des problématiques d'écologie globale et non plus des problèmes de pollution locaux. Et on avait besoin de se dire, mais alors pourquoi les nations doivent travailler ensemble à, ré à, à résoudre des problèmes Et en fait, si on n'avait pas eu cette image à ce moment-là, on aurait eu du mal à faire euh, travailler les nations ensemble, parce que là, on a tous compris qu'on était embarqué sur le même vaisseau. Donc euh, on doit à cette photo... Tout le mouvement d'écologie globale et tous les travaux qui ont été faits par l'ONU et les États autour de l'ozone, autour du climat. C'est une photo qui nous a fédérés, mais malheureusement, son pouvoir émotionnel ou son pouvoir d'impact s'est estompé avec le temps. Alors, comme je vous le disais, il ne s'est pas estompé le temps avec le temps chez les astronautes. Donc, si vous lisez ce bouquin The Home Planet en français, c'est Clair de Terre il y a toutes ces citations d'astronautes qui sont vraiment transformées. Et il y a ce livre de Frank Wright, The Overview Effect, qui explique comment euh, ces choses ont été. Euh, Enfin, euh, qui explique cette transformation cognitive qu'ont connue les astronautes en orbite. Euh, alors, à l'époque, moi, quand j'avais découvert ces, ces pardon, quand j'avais découvert euh, ces deux livres, euh, je m'étais dit mais comment on peut faire euh, ça Et donc, cet ami qui m'avait offert euh, euh, ce, livre sur enfin sur, ce, ce livre sur The Home Planet. Lui, à ce moment-là, il faisait de la recherche au MIT euh, en réalité virtuelle. Moi, j'étais à Chicago, je faisais de la recherche en maths. Et on s'était dit, bah, on va essayer en réalité virtuelle de refaire cette expérience. Sauf que c'était très compliqué. La, les définitions qu'on avait dans les casques n'étaient pas assez bonnes. On n'avait pas les images qui pouvaient servir de substrat. Et puis surtout, ça coûtait un million de dollars de fabriquer de la réalité virtuelle. Ce n'était pas des choses de, du domaine public comme maintenant. Et, euh, donc, et un jour, je tombe par hasard sur une déclaration d'Al Gore, qui était vice-président des États-Unis. Lui, il revenait en 1997 des euh, négociations du protocole de Kyoto. Et euh, en mars 1998, il a eu un rêve. Il était dans, la, on va dire, dans le bureau ovale et il avait Blue Marble à côté de son bureau. Et, euh, et il se dit Mais en fait, euh, est-ce qu'il y a d'autres photos de la Terre ça serait bien d'avoir le dernier visage de, de Gaïa pour savoir si la Terre Gaïa va bien. Donc il appelle la NASA, il dit bah ⁇ Ben non, il n'y en a qu'une de photo, c'est 1972. ⁇ Il commence à réfléchir, il se dit bah, ⁇ On n'a qu'à envoyer un satellite pour voir euh, les dernières images de la Terre. Alors le problème, c'est que si vous voulez avoir un satellite qui voit les dernières images de la Terre tout éclairées, il faut aller au point de Lagrange L1. C'est-à-dire que si vous prenez l'axe Terre-Soleil, euh, sur cet axe, la Terre est toujours éclairée, puisqu'elle est plein phare. Quoi et euh, si vous êtes trop près de la Terre vous tombez dans le bassin d'attraction de la Terre si vous êtes trop près du Soleil, dans le bassin d'attraction du Soleil et il y a un point d'équilibre, un espèce de point sel qui s'appelle le point de la 1 dans lequel vous dépensez quasiment aucune énergie pour rester autour de ce point donc il dit à la NASA, bah, envoyez un satellite là-bas et euh, bon, ça ne va pas coûter cher bon, et comme il était vice-président des États-Unis, la NASA enfin, a construit ce satellite. Et moi, je m'étais dit, une fois qu'on a les images de satellite, on peut, avec ce satellite, reconstituer l'Overview Effect. Et donc, j'attendais ça. Et je m'étais même dit, tiens, je veux postuler à la NASA pour m'occuper de la valorisation émotionnelle de ces images. C'est le truc qui va changer le monde. Quoi. Malheureusement, il s'est engagé dans la course à la présidentielle contre Bush. Et vous vous rappelez comment ça s'est terminé C'est-à-dire avec le recomptage en Floride, Al Gore qui met plus d'un mois. Pour reconnaître sa défaite. Et Bush, quand il accède à la Maison Blanche en janvier 2000, il lui en veut énormément. Et euh, qu'est-ce qu'il fait euh, Non, janvier 2001, euh, qu'est-ce qu'il fait Première décision qu'il prend quand il arrive au pouvoir avec Dick Cheney, qui était son vice-président, il annule la mission qui s'appelait alors euh, Triana. Et moi, j'étais absolument dégoûté. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire mon roman. Quoi. Euh, voilà. Les romans qui m'ont mis les 12 années suivantes. Et après avoir fini le tome 2, je finis le tome 2 en disant bah, le satellite part, les images existent, et puis partout, sur, quand on se balade sur Terre, on a des images de la Terre qui tournent pour, toujours pour nous rappeler sur quoi on vit. Quoi. Donc c'était le rêve de cette révolution bleue, d'avoir sans cesse, sur tous nos téléphones, nos trucs, des images de la Terre. Et c'est ça que j'avais vraiment en tête comme, comme vision. Et en écrivant un article sur l'Overview Effect, en fait, je tombe sur un. Dans un obscur forum sur une autre mission qui doit partir au point de la Granjelin, non pas pour observer la Terre, mais pour observer le Soleil, sur le fait que la caméra qui devait filmer la Terre avait été embarquée secrètement dans cet engin. Et alors ça, c'était vraiment. Un... Et alors là, j'en parle à personne. Je me dis, mais ça, c'est fantastique et tout. Et euh, le, le satellite part en mars 2015. Au nez et à la barbe des républicains qui avaient repris le congrès. Et puis, dès que le truc part, Al Gore qui nargue les républicains en disant Vous bah voyez, ça y est, le truc, il est parti. Et là, vous ne pouvez plus l'arrêter puisqu'il va partir au point de la Grand gêne. Et euh, au mois de juillet 2015, donc il y a, il y a trois ans, euh, Obama. Euh, alors, donc le, le truc part. Euh, donc, c'est un million et demi de kilomètres de la Terre. Alors ça paraît loin, mais pour donner une, histoire, une idée, c'est quatre fois la distance Terre-Lune. Donc, c'est pas non plus très loin, mais comme c'est des satellites qui y vont lentement, il faut plusieurs mois pour y arriver. Euh, donc, le satellite qui s'appelle Discover se trouve là-bas. J'attends les images. Et puis, 21 juillet 2015. Obama qui met sur Twitter cette image-là qui est la, première, la deuxième photo de la Terre vue depuis l'espace. Bon, qui est centrée sur les États-Unis et euh, on va dire l'Amérique centrale. Euh, bon les gens applaudissent un peu cette photo mais il se passe strictement rien. Puis la NASA dit bon bah ben là il n'y a qu'une image, on a encore des petits problèmes avec le satellite et euh, attendez le mois de septembre, on aura un site web avec toutes les images. Je dis, bon, OK. Donc j'attends le mois de septembre. Moi à l'époque, j'étais en train d'écrire un essai sur euh, comment changer le monde au 21 siècle en vue de la COP 21. Et euh, bah, je raconte l'histoire de ce satellite dans cet essai. Et puis, euh, le, 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 le. Pardon. Le, euh, attendez, hop. Euh, Et euh, je, je raconte l'histoire de ce satellite. Et puis, au mois de novembre, c'est-à-dire quelques semaines avant la COP21, surviennent les attentats de Paris. Moi, j'habite à Paris. Et ce truc-là, ça me met vraiment dans une énergie en me disant Mais. Enfin, comment on est arrivé là Et puis derrière le terrorisme, vous avez quand même le pétrole qui n'est pas loin, la transition écologique, est quand même tout ça est lié. Et je, au lieu de publier mon essai, je le mets sur Internet, et le premier chapitre c'est sur le pouvoir des rêves, j'explique... Que Al Gore a eu ça, et puis je finis par un post sur Facebook en disant S'il y a des gens qui ont du temps, il y a certainement un truc à faire avec ces images euh, parce que, effectivement, au mois de septembre, donc deux mois avant les attentats de Paris, ils ont mis des images, mais en fait, la NASA, il n'y avait que 10 images par jour, mais il n'y avait pas de vidéo, et donc c'était comme regarder des images de la Terre, ça ne procurait pas un gros contenu émotionnel. Et euh, l'ami qui m'avait offert Claire de Terre, lui, il a continué dans la 3D, la réalité virtuelle, et il me dit euh, lui, il habitait en Israël, il me dit ben ⁇ moi, ça me dit bien de faire ça avec toi, on avait démarré ce truc-là ensemble, on va continuer ensemble. ⁇ Et donc, on se lance dans nos nuits à essayer de reconstituer, à partir des images de la NASA, ces vidéos manquantes de la Terre. Et puis, ça nous prend 3-4 mois. Et euh, au printemps 2016, pour la première fois, on arrive à faire une vidéo de la Terre en... Euh, on va dire, on plaquait les images qu'on avait sur une sphère, on interpolait et en se disant si les nuages bougent pas trop vite par rapport à la vitesse de la Terre, ce qui est le cas, on devrait avoir quelque chose d'assez lisse. Et en fait, la première vidéo à laquelle on arrive, moi j'étais ultra étonné parce que il y avait quasiment aucun problème de raccord. Bon, ça nous a mis beaucoup de temps de calculer toutes les équations pour bien plaquer ça. Euh, en fonction de la trajectoire du satellite, des angles, etc. Et on arrive à une vidéo qui est extrêmement émotionnelle, et nous on pleure, on voit ça la nuit et tout, et euh, on commence à, à montrer ça autour à, à, à des amis qui eux aussi ont beaucoup d'émotions en voyant ces images. Alors avant de vous raconter ce qui s'est passé depuis, je vais vous faire faire vous aussi l'expérience de la Terre et de l'Overview Effect. Donc on va éteindre complètement les, le, la lumière et si possible d'éteindre les... Voilà, tout, tout, tout euh, autour, voilà. Et euh, on va lancer la vidéo. Donc imaginez-vous à 1,5 million de kilomètres de la Terre, euh, au point de la grange L1, et vous allez bah, faire un tour de la Terre complice. C'est des images qui ont quelques, quelques jours. Euh, C'est sur une musique de Yann Thiersen, et je vous laisse apprécier ces images. De la Terre. Alors ces, ces images, il suffit d'aller sur blueturn.earth. Voilà, je vous, alors je vous, vous donnerai ouais. ça après. Mais donc les images que vous avez vues là, en fait, c'est une première dans l'histoire de l'humanité parce qu'on n'a jamais eu d'image de la Terre qui tourne. Avant ce projet, euh, on avait quelques photos, mais on n'avait pas vu la Terre en mouvement. On avait vu Mars tourner, on a vu Saturne tourner, enfin tout ce qu'on peut observer du ciel, mais comme on est dessus. Et pas et euh, il fallait vraiment aller dans ce point de la Grangelle et faire ces algorithmes, etc. Donc, bon, nous on fait notre première vidéo, on fait pleurer un certain nombre de personnes, euh, et puis un jour, enfin euh, quelques semaines après, on décide de mettre ces images sur Instagram. Et euh, donc, ça, c'est mon associé, la Michael, il met ses images sur Instagram, mais en genre on a 10 followers et il tag la NASA sur Instagram. Je dis pourquoi tu as fait ça, et je, dis, oh, je sais pas, et Cinq heures après, on reçoit un mail de la NASA du patron de la mission Discover qui nous dit Mais comment vous avez réussi à faire ça quoi? Donc, Et euh, on rentre en discussion avec eux. Et depuis deux ans, on est toujours en contact étroit avec eux. Donc ils nous expliquent tout comment marche le projet, euh, ils nous donnent plein d'infos sur le satellite, des, des éléments pour améliorer un peu la compréhension des images, etc. Et euh, là, on se dit Bon, même si la NASA euh, est étonnée, là, il y a quand même un truc là-dessus. Et puis moi, je me dis Mais attends, ce truc-là, c'était quand même mon rêve d'il y a 20 ans. Euh, la NASA s'occupe pas de la promotion émotionnelle de ces images. Ils nous l'ont dit. Ils me disent, mais ravi, vous le fassiez. Et je me dis bah en fait je peux faire le truc que je voulais il y a 20 ans. Et en plus maintenant il y a la technologie alors qu'à l'époque elle n'y était pas quoi la technologie pour le faire. Et donc je lui dis bah si tu veux on monte un projet et je sais pas dans quoi on se lance mais on essaye de réaliser le rêve qu'il y avait dans le siècle bleu et de faire cette révolution. Et l'autre il me dit allez ok on y va. Donc euh, je pars avec Michael sur ça. Donc on crée un projet euh, Blue Turn, donc, euh, le, est BlueTurn. Donc l'adresse c'est BlueTurn.earth lui, euh, qui est un pro aussi des développements d'applications mobiles, il développe une application qui va chercher les dernières images de la NASA et qui les met en mouvement. C'est gratuit sur Android et sur iOS. Hein, vous cherchez euh, Blueturn et vous pouvez avoir sur votre téléphone ou sur votre iPad ou sur votre ordinateur ou sur votre télé HD ou sur votre projecteur ou dans des cinémas les dernières images de la Terre. Et, euh, je monte ça à un institut là, bah, qui nous relie à l'Institut des futurs souhaitables. Et je dis, voilà, ce qui serait bien, c'est maintenant de faire un peu de promo. Nous, on n'a aucun budget. Euh, donc, ça serait bien de faire un TEDx. Et il y avait l'organisateur de TEDx qui était là. Il me dit, bah, dans 15 jours, j'en fais un. Tu viens. Je dis, ok. Donc on fait un TEDx c'est dans le TEDx je monte ce slide en disant voilà le rêve c'est d'arriver à le mettre sur des buildings et à mettre les images de la Terre partout, de notre téléphone jusqu'au building pour éveiller cette conscience planétaire. Et je donne plusieurs axes, un axe sur l'éducation, un axe sur la méditation, un axe sur on va dire l'inspiration politique et euh, des, des, des leaders d'entreprise. Et euh, un dernier arc sur les artistes en disant, ben, si on peut inspirer des projets là-dedans, ces images, elles sont à vous, elles sont gratuites et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et en fait, depuis deux ans, il y a eu plus d'une centaine de, de, ben, de présentations comme ce soir. Par moi ou par d'autres gens dans le monde qui font circuler ces, ces images. Enfin, moi, il n'y a que les choses dont je suis au courant. Mais je sais que parfois, l'autre fois, il y avait des gens qui étaient à Toulon. Il y avait un spectacle dans le, dans le théâtre en plein air de Toulon où il y avait les images de Bluthern. Je ne sais même pas ce que c'est ce spectacle. Donc, il y a des choses qui nous échappent, mais c'est fait pour ça. Euh, donc, ça a été montré dans des écoles. Ça, c'est l'école de ma fille dans le 10e à Paris. Ça, c'est l'école de mon ami Michael à Tel Aviv avec ses enfants. Il y a eu plein de parents qui ont, euh, qui ont, qui ont montré ces images à leurs enfants. Euh, on a fait des projets avec des artistes. Là, c'était avec une violoniste. Là, c'est un groupe de trip-hop à Toulouse. Là, ce sont euh, des. Euh, un spectacle équestre où euh, les chevaux tournaient autour de la Terre. Et là, dans les euh, semaines qui viennent, on va lancer des blue turn mix. On a fait une vidéo de la Terre qui dure euh, une heure. Et on va demander à des DJ connus ou moins connus de composer euh, de la musique électro pour que les gens dansent devant la Terre. Ce serait un moyen de toucher un public plus jeune. Et euh, là, on a eu des échanges avec le DJ français Laurent Garnier, bah, qui aimait bien les romans qui étaient à fond. D'ailleurs, il est personnage dans la nouvelle version de ses romans. Et euh, là, il va regarder. Là, il était au Mexique, mais dès qu'il rentre, il va regarder ça. Et je pense qu'il nous fera un Blue -turn mix, et si lui en fait, vu que c'est le DJ le plus connu au monde, beaucoup d'autres en feront. Euh, on a aussi fait des choses avec de la méditation, donc il y a des profs de yoga et des gens dans la pleine conscience qui se sont emparés de ça. Là, il y a un grand film qui va sortir sur la pleine conscience, et les réalisateurs ont décidé de remonter le film pour pouvoir mettre Blue -turn à l'intérieur. Donc, euh, ça, un, ça sortira en 2019. Euh, on l'a projeté sur des grands bâtiments. Là, c'est le Musée d'Art Contemporain à, à Tel Aviv. En tout cas, euh, c'est la plus grande façade là-bas. Et mon ami là-bas a convaincu le maire de projeter les images de la Terre. Et vous voyez, il y a des milliers de personnes qui sont là à regarder la Terre, à tourner, et ça a déclenché vraiment beaucoup d'émotions. Euh, on a aussi montré ça. Euh, dans des endroits magnifiques. Là, c'est dans un théâtre antique à Delphes, où il y avait la lune, la voie lactée, au loin la mer, et on était dans cet amphithéâtre. Et ce soir-là, ça avait été une émotion extraordinaire. Ça a été montré aussi à des politiques. Ségolène Royal, un jour, je lui avais montré, elle était complètement enthousiasmée par ce truc. Elle m'a Invité à présenter ça pour les un an de la COP21, euh, pendant la donc c'était voilà au moment de la COP22, ça a été monté à la COP23 à Bonn l'année dernière. Euh, donc c'était sur le stand de la France, Make Our Planet Great Again. Ils avaient mis Blue Turn et ils l'ont montré à Emmanuel Macron et Nicolas Hulot. Moi j'y étais pas, mais on voit que Emmanuel Macron suit plus que Nicolas Hulot. Quoi. Donc euh, euh, mais il, connaît, euh, il connaissait déjà. Euh, je suis pas sûr qu'il connaissait déjà, mais il était déjà en train de se poser plein de questions, donc peut-être qu'il était tourmenté. Quoi. Donc, euh, euh, alors après bon évidemment dès que vous faites des choses bien ça attire des problèmes et euh, en mars 2017 euh, j'étais au ski avec mon entreprise et bon, je, je laisse mon téléphone euh, fermé puis vers 15h je regarde mes messages. J'avais 15 messages en absence il me disait il ouais, faut que tu regardes internet regarde ce qui s'est passé. Trump qui venait donc d'accéder à la maison blanche en janvier donc euh, en mars il a le droit de donner les orientations de la NASA donc dans les orientations de la NASA il dit on va retourner sur mars et sur la lune. Et puis il dit aussi on va fermer cette caméra. Quoi. Alors là, je me suis dit c'est pas possible. Quoi. Donc le projet, ça se passait bien, etc. Et là, à nouveau, la politique qui s'en mêle. Et en fait, ça a été un bras de fer qui a duré plus d'un an parce que euh, en fait, cette mission, elle n'avait aucun coût puisque le satellite était parti. Donc c'était juste les républicains qui voulaient faire payer à Al Gore le fait qu'ils euh, avaient voulu... Euh, voilà, Prendre, enfin, euh, euh, le fait d'avoir fait partir cette mission, et donc il demandait d'éteindre cette caméra. Et il euh, y a plein de gens qui trouvaient ça débile, et il euh, le, le, y a eu un, en, deux versions du budget de la NASA, une à la Chambre des représentants et l'autre au Sénat. On a voulu faire beaucoup de communication, mais en fait les gens nous ont dit faites surtout pas des dito, parce que c'est ça qui va attirer Trump, surtout pas le New York Times et tout. Donc euh, avec d'autres, on a agi là, dans les cercles du, 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 on va dire, de la. Autour du, du Capitole pour essayer que ce truc-là disparaisse pas. Et euh, finalement, comme c'était en ballottage c'est le prochain administrateur de la NASA qui a été nommé en juin dernier qui devait décider. Et quand euh, Trump l'a nommé, il a choisi un climato-sceptique, un hein, gouverneur de l'Oklahoma. Donc là, je me suis dit, bon, c'est mort. Et en fait, ce gouverneur qui avait la charge de devoir emmener les gens sur la Lune et sur Mars, il avait besoin du soutien des scientifiques. Et les scientifiques de la NASA, en 15 jours, ils ont démontré que le réchauffement climatique existait et qu'il était d'origine humaine, il a dû faire une déclaration au bout de 15 jours en disant je me suis trompé et effectivement ça marche comme ça et du coup il a maintenu toutes les missions d'Earth de Science en particulier la caméra du satellite Discover. Donc ça, ça a été un retournement et en fait depuis le mois de juin, là on, nous on est à fond complètement sur Blue Turn pour essayer de scaler ça vraiment à une dimension planétaire, chercher des financements, chercher des hébergeurs qui nous, euh, gratuitement, nous donnent des serveurs parce que ça nous coûte assez cher en serveurs ça fait beaucoup de données ce truc là et et puis d'essayer d'organiser de, de, les différentes streams pour toucher euh, des gens dans tous les pays du monde. Euh, voilà. Et, euh, alors, ironie du sort, la politique aussi nous a rattrapés. Euh, au mois de juin, j'ai reçu ce mail-là de l'équipe d'Algor, qui nous dit, félicite pour le travail qu'on a fait sur Blueturn, et qui voulait qu'on fasse un projet avec eux. Donc, euh, hier soir encore, j'étais avec eux euh, par Skype, et on va sortir un... Un projet dont je ne peux pas parler, mais fin janvier avec eux en association avec le Climate Reality Project d'Algor et qui utilise les images de Blue Turn pour mêler en fait les images de Blue Turn avec toutes les données contextuelles sur le changement climatique et sur les call to action et les explications scientifiques qu'il y a autour pour faire une expérience qui soit informative. Voilà donc. On en est là. Je pense que le fait de s'associer avec Al Gore, ça va nous valoir d'autres problèmes avec Trump, mais ça m'amuse bien, ça me rappelle mon roman. Merci. Ouais, mais manifestement, on arrive à contrer quand même de temps en temps ce que veut faire Trump. Hein ouais, mais il faut y aller soft. Il faut y aller soft. Bon, mais super pour cette présentation. Donc, On nous, ben on a encore une 15, 10, 15 minutes. Euh, la parole est à vous pour des questions, des commentaires. Oula, c'est la fin de la journée. Il y, en a qui... il, y a ah. il y a personne qui, qui a envie de, de réagir Allez, au fond de la salle. Vous parlez fort là-bas alors... ah, Madame Et puis il y a, a quelqu'un qui a levé les... Non, je ne vais pas pouvoir passer. Euh, sur votre site internet, vous... Bonsoir tout le monde d'abord. Euh, sur votre site internet, vous, à la fin du, de votre site, vous, vous incitez les gens à, à vous contacter. Oui. Et leur... Vous, vous leur dites, comme vous l'avez dit, que, que vous travaillez la nuit pour euh, développer ce projet et vous invitez les gens, de quoi avez-vous besoin euh, En fait, là, souvent, on invite les gens à nous contacter qui veulent monter un projet avec ça. Et pour l'instant, comme on ne savait pas ce qu'on voulait faire de ce projet, on n'a pas exactement dit ce dont on avait besoin, mais là, on va le dire prochainement. C'est-à-dire que ce qu'on a besoin à court terme, c'est des community managers sur la méditation, sur l'éducation etc. pour packager les choses pour que ça soit très facile dans les gens, pour un prof de yoga de monter un cours avec ça, pour une maîtresse ou un parent de monter quelque chose là-dessus, pour une conférence internationale qui voudrait utiliser ça ou une entreprise qui utilisait ça de le faire ou des artistes de le faire, donc des gens qui s'occupent de ça et puis euh, des gens qui accompagnent les projets parce que moi je vois aujourd'hui enfin, dans notre organisation c'est mon ami Michel qui s'occupe de ça et moi avec un autre ami, la Georges, on fabrique les vidéos on fait les montages etc. et puis on interagit avec les porteurs de projets, donc c'est d'aider à faire ça, mais l'idée c'est que tout ça soit aussi autoportant que possible mais on a besoin d'un peu de monde et surtout on aurait besoin d'ambassadeurs de Blue -turn dans différents pays ou différentes régions on a besoin aussi de, de voilà, mais aujourd'hui c'est même pas des besoins, il y a beaucoup de consultants par exemple en développement personnel ou en entreprise ou dans le développement durable qui commencent ou qui finissent leurs interventions par Blue -turn. Et ça c'est bien parce que ça les emmène, euh, voilà il y a des tas de dirigeants, l'autre fois j'entendais qu'il y avait un une grande réunion de dirigeants à Carcassonne, là, pas très loin d'ici, où il y avait plus de 1000 dirigeants de l'ESS, de, de l'économie sociale et solidaire qui étaient réunis. Et ils ont regardé Blue Turn pendant 5 minutes, puis après 5 minutes dans le silence. Apparemment, c'était une expérience géniale. Nous, on n'était même pas au courant. Donc, euh, voilà, on a besoin de gens qui reprennent ces images pour euh, créer des expériences émotionnelles euh, différentes. Quoi. Et euh, voilà. Donc, euh Très bien, oui, Et effectivement, on peut tous utiliser, utiliser aujourd'hui les images sous ouais. une forme ou sur une autre. Voilà. Après, on a aussi besoin de gens sur la technique, des gens qui nous aideraient à développer une meilleure application, euh, un meilleur design. Pour l'instant, en fait, l'application, quand elle nous, elle nous coûte cher, là, on a, on est, là par exemple, j'étais en négociation hier avec la marque Orange qui nous offre les serveurs euh, parce qu'aujourd'hui plus l'application est utilisée plus ça nous coûte cher ce qui est absurde parce que du coup on, euh, du coup on se limite vachement dans le succès là on en est à 100 000 téléchargements mais il faudrait aller à 10 millions ou 100 millions de téléchargements quoi euh, mais euh, voilà donc là on a besoin de quelqu'un pour nous aider là dedans oui bonsoir alors merci pour euh, cette belle vue d'une très très belle terre parce qu'elle aurait pu être moche quand on l'a découverte, mais c'est pas le cas. Elle, elle est très très belle, mais justement, ça peut donner une idée d'éternité et d'une belle terre éternelle. Donc, par rapport au changement écologique, sur une précédente conférence, on a vu une carte de tout ce qui était activité humaine. Et là, on ne voit pas du tout. On voit les terres marron avec une idée de nature, de nature. É... Oui, naturel. Donc, euh, la perspective de la prise de conscience qu'on vit tous sur la même Terre, mais de ce qu'on est en train d'y faire, euh, comment vous allez euh, faire ouais, ce lien Mais, le, si vous voulez, il faut travailler merci. à différents niveaux émotionnels et différents niveaux rationnels. Euh, cette dimension de conscience planétaire, on ne l'a pas. On n'est pas doué de ce sixième sens qui nous donne un sens de feedback à cette échelle-là. Et c'est une image qui nous manque. C'est juste une image à garder dans notre tête pour avoir ce sentiment amoureux et ce sentiment amoureux il, il amène une relation que vous pouvez développer dans la nature dans votre jardin dans une forêt etc qui fait que vous avez une relation beaucoup plus sensible avec la terre et euh, si cette rela et après vient la on va dire euh, les informations sur tous les dérèglements qui appellent de, 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 des actions dans des zones spécifiques de l'économie ou dans des lieux spécifiques dans le monde mais le, 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 moi je ne crois pas enfin je crois plus à la prise de conscience par la peur. On a beaucoup essayé ça, et donc euh, le, 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 ce truc-là est complémentaire de ça, et ça rajoute une couche qui est très belle et qui est très émotive, qui est pas, qui dit pas du tout la Terre est parfaite, etc. Mais regardez ce qu'on a à préserver, c'est quelque chose de magnifique, et de donner ce sentiment d'être ensemble. Euh, intendant de cette belle planète, c'est quelque chose de très fort. Et on n'a pas besoin de la montrer de cette échelle. Enfin, on, si vous regardez sur cinq ans, on va peut-être voir les forêts qui vont se rétrécir, mais c'est pas ça qu'on veut faire passer. C'est vraiment c'est ce, de voir le vaisseau sur lequel on se tient tous. Et puis, et puis il y a le roman qui est un récit aussi de comment, comment on peut faire. Parce qu'effectivement, voilà. il y a l'image dans dans qui je, fait l'émotion. et Le, puis le, le roman, roman c'est absolument pas un roman de bisounours. Hein, c'est vraiment ancré dans tout ce qu'il y a de plus noir et de tout ce qui est le plus beau dans le monde et j'introduis ce qu'on trace dans le roman et, et, euh, et ce, enfin, tout le roman il est sur une ligne de crête où à tout moment on peut basculer dans un effondrement ou dans un émerveillement et c'est bien de ça dont il s'agit dans le monde et on n'est pas dans un monde idéal et euh, cette vision de la terre elle n'est pas pour idéaliser les choses le, 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 voilà. mais dans cette expérience là ce qu'on veut montrer aux gens c'est ça alors je ne vois pas de bras qui se lèvent pour l'instant Ah, ah. Merci. L'image de la Terre que l'on voit en 1972 et puis après le film que l'on voit, la prise de vue est à peu près identique. Elle est plutôt au sud. Est-ce que c'est dû à un problème technique ou c'est juste le fait du hasard Non, mais le, en fait, l'image de 1972, elle a été prise par la Terre complètement éclairée, donc. Euh vous êtes dans l'axe Terre-Soleil, on a pris une photo, donc on a une photo complète de la Terre. Là, on est sur l'axe Terre-Soleil, mais beaucoup plus loin, mais c'est un zoom, en fait, cette photo, donc c'est exactement la même chose que si on l'avait pris de près, euh, puisque la caméra zoom sur la Terre. Donc, euh, ce n'est pas un, un point de vue. Et... Euh, le, le, il faudrait regarder les dates, 7 décembre 1972, c'est à peu près cette orientation, et là c'est octobre, donc euh, normalement l'axe il n'est pas exactement le même, elle tourne pas exactement, donc c'est pas exactement la même photo puisque euh, le, 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 on va arriver, enfin euh, le, 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 7 décembre on est presque au 21 décembre, c'est-à-dire à, euh, à l'hiver, et, euh, et donc euh, où l'axe sera le plus penché, là l'axe il est un peu plus redressé dans la vidéo que vous avez vue ici. Alors, il y avait la terre, il y avait le roman. Il y a des questions sur le roman. Vous avez tout compris sur l'histoire Pas encore tout à fait. Vous, bon. allez, vous allez lire le roman quand même. Bon. <laughs> bon. Sinon voilà, bah écoutez, on vous. S'il n'y si a pas de. questions... Ah, bah, si... Une dernière. Est que dans... Bonjour. Est-ce que Bonjour. Dans, dans, dans le roman vous abordez le, les, les changements euh, impliqués euh, au niveau économique et euh, système euh, social euh, des de, de changements climatiques euh, de changement de change, climatique ouais, de, de Oui, il oui, enfin, y, y a certaines -ce scènes avec des réfugiés climatiques qui, qui sont, qui sont décrites. Mais comme je vous dis, le, le roman il est sur 28 jours. Donc il fait. Il est vraiment sur une période actuelle de maintenant de ce qui se passe sur Terre. Donc je ne suis pas à développer ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent. S'il y avait des réfugiés climatiques, s'il y avait des tornades, etc., on en est dans le monde de maintenant où les choses vont mal, mais pas encore si mal par rapport à ce qui se passerait mal si on faisait rien. Quoi. Donc, mais il y a la réalité de l'économie, de la finance, de la mafia. Il y a aussi ça qui n'est pas négligeable. Bon, s'il n'y a oh, pas d'autres questions, ben on va... Ouais. Moi, je serai de l'autre côté. Là, pour remercier Jean-Pierre euh, pour, Jean pour cette présentation. Ouais. Merci. Vous souhaitez une bonne soirée et vous avez entendu qu'il sera de l'autre côté en train de dédicasser les deux tomes ou un des deux tomes euh, de ce roman. Bonne soirée à tous